Alors Jean, tu vas essayer ce revolver Smith & Wesson modèle 1917. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Oui, donc ça nous change de voir un revolver en 45 ACP. On a plutôt tendance à voir son frère le pistolet, le fameux 1911 à A1. Et là, on va tester cette arme, donc, comme tu le disais, de 1917. Un calibre intéressant, le 45. On est dans les basses pressions, mais on est surtout dans la configuration de l'arme de combat. C'est-à-dire qu'on a juste un guidon en 2001. Ce genre de guidon était très prisé à l'époque, hein, ces 2001, on les retrouve partout. On n'avait pas ces guidons pentés comme maintenant, ou voire partridge. Et là, on a le cran de mire en V. Le cran de mire qui est fraisé dans le bâti, dans la cage de barillet au-dessus. Voilà. Sinon, un 6 alvéoles, un verrou de barillet classique, avec une possibilité de tir en double action ou en simple action. Ce que je vais faire, je vais tirer en simple action, puisque le but, c'est de voir un petit peu comment ça tombe dans la main, après le départ de coup. On pourra après l'utiliser en double action, avec des tirs qui seront un peu plus dynamiques. Par contre, ce qui est étonnant, c'est la crosse. On sait que le peuple américain, quand même un peuple de gens assez grands, costauds, et là, on a une crosse, on a l'impression de tenir un modèle, un petit chief, hein, un modèle 60, quoi, un petit 38. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Et donc, ce que je vais faire, je vais le tirer à deux mains. On va tirer à deux mains. On a pris une distance, on est encore à 17 mètres sur une C50. J'ai matérialisé le 10 par du blanc et je vais prendre, donc point visé, point touché, je vais prendre en compte le 10 de la C50. Ce que je vais, pour faire ça, ces tirs-là, je vais utiliser une cartouche de chez Géco qui est chemisée, FMJ, et qui fait 230 grains. Alors, en fait, c'était fait pour utiliser des clips 2001 de 3 cartouches, oui. Mais on peut très bien tirer sans clip, c'est ce voilà. que tu vas faire. La preuve, je tire sans clip. La seule différence, c'est qu'au moment de l'extraction, l'étoile de barillet ne permet pas d'extraire, mais les cartouches ne collent pas, donc on peut les extraire facilement. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, la munition du commerce. On va faire ce petit... Oui, munition du commerce, GECO. La référence GECO 230 grains FMJ que je tire, là, c'est IPSC. D'accord. Qui sont de très très bonnes cartouches qui donnent d'excellents résultats dans justement dans un Colt 1911. Hein. Alors faut s'y faire, on a quand même même en simple action. Vous êtes aperçu, j'ai mis un certain temps à faire partir le coup, parce qu'on a une simple action qui est dure. Hein. C'est normal, hein. De toute façon, c'est une arme de combat. Elle était faite pour être plus utilisée vraiment en double action. Hein. C'est l'arme d'assaut, c'est l'arme de contact, on va dire. C'est dur, mais bon. Ça part bien, hein, on voit, mais c'est agréable au tir. C'est pas sec, ça cogne, mais c'est assez confort quand même. Ok, donc l'éjection, vous voyez, des étuis ne se fait pas. Par rapport à l'étoile, on sort donc les étuis à la main en les prenant simplement par avec l'angle. Ici, voilà. Donc on n'a aucun problème pour enlever des étuis. Alors, comme je le dis tout le temps, sur cette arme, on pourra améliorer tout de suite une chose. C'est le grip, parce que la main n'est pas remplie, donc on a un chaussé un peu qui reste un petit peu aléatoire. On pourrait sûrement, on va aller voir les résultats, mais avec une prise en main plus pleine, on va dire, pleine, on obtiendrait sûrement de meilleurs résultats. Parce que là, on bouge un petit peu. Alors c'est l'arme est bien équilibrée, hein, par contre. Hein. C'est marrant parce qu'on a un modèle là quand même de 1917. Les Américains, le contingent américain avait ça dans les tranchées, en fait. Oui. Et qui est vraiment très moderne, exactement comme les revolvers actuels. À la différence de la poignée qui est effectivement fine avec des plaquettes lisses,
Mais sinon, c'est un Smith & Wesson totalement pas différent des Smith & Wesson actuels. On a un réglage aussi, hein, là, à mon avis. Oui, du ressort à lame, voilà, qui assure la percussion, oui, tout à fait. Pour la battue du chien, là. Et donc, on peut jouer un petit peu sur ce réglage. Voilà, hein. Tout à fait, ouais. Donc on va aller voir, ça bouge un petit peu parce que, vous voyez, en fin de course, comme vous pouvez le voir, regardez, je suis obligé de trop enserrer mon arme, alors que si j'avais vraiment plus intéressant, je perds, vous voyez, c'est ici, je perds, c'est pas rempli. Comme c'est pas rempli, à un moment donné, on cherche. Ça, c'est vraiment pure précision. Mmh. Mais même dans le combat, quand on est dans un combat, qu'on lâche chausse et qu'on doit tirer très très vite et être précis, avec ce chaussé d'armes, c'est impressionnant parce qu'on a un pointé soudé des instruments et le shooté derrière, ça se fait quasiment dans un seul temps. C'est pointé, soudé, shooté. Parce qu'on n'a pas cherché. C'est vraiment comme si je vous désignais du doigt. Ouais. Mmh. Exactement comme ça. Mais là où on a progressé, c'est effectivement sur la prise en main et aussi sur les éléments de visée. Oui. Mais sinon, pour le reste, au niveau mécanique, cette arme, il n'y a pas eu de progression depuis parce qu'elle était déjà complètement aboutie, quoi. On est un peu dur, hein, comme je le disais, sur la simple action, mais c'est normal. C'est pas une arme de sport, hein, c'est pas une arme pour faire du tir sportif, ça reste une arme de combat, hein, comme tu disais. C'est une arme dans les tranchées, ça au corps à corps, il fallait quand même un certain... Ils étaient quand même bien équipés avec une bonne munition. Hein. Ah oui. Quand nous, on avait le 8.92, qui était aussi une très bonne arme, mais qui est quand même... un petit peu plus complexe, et puis avec une munition qui a beaucoup moins de puissance d'arrêt, bien sûr. La munition était des EN, le 45 est toujours employé, alors que le 8.92, on n'emploie plus. Hein. Ouais. Mais le 45 est toujours employé, en plus on a modernisé la cartouche, puisqu'on a modernisé les poudres, donc on reste toujours dans des basses pressions, mais avec des résultats conséquents, surtout avec des munitions semi-chemisées, hollow point. Allons-y, on va aller voir. Ah oui, bah ça groupe quand même. Hein. Il groupe bien l'ancêtre. Alors l'ancêtre... T'as 5 trous, ouais, alors, effectivement. On a 2-9 et 3-10. Mmh. Donc on a les 5 trous là. Ouais, ouais. Donc je suis surpris. Hein. C'est bon, 17 mètres. Très honnêtement, je ne sais pas si je ferais mieux avec une arme moderne. Mmh. Franchement. Ouais, ouais. 17 mètres avec 1917. Eh bien, écoute, grand-père, merci. Voilà. Donc, on continue les essais pour vous et on vous tient au courant des tirs en double action dans la prochaine vidéo. Merci. Bon, alors là, Jean, tu vas essayer un autre exemplaire. Alors, je pense que ces armes, on regardera un petit peu les années par rapport au numéro de série. Elles sont très proches. Ouais. Certainement qu'elles devaient faire partie du contingent en 1917. Néanmoins, on a vu que le premier exemplaire que tu as essayé avait un départ un peu dur et un intérieur du canon miroir. Ouais. Celui-là a un départ qui a l'air meilleur, qui a l'air plus doux. Par contre, il a un canon très légèrement piqué. On va voir si tu obtiens la même précision. D'accord, le même résultat. Donc, même cartouche, hein. De toute façon, on retire la... Même cartouche, deux exemplaires différents... Et puis différents états de conservation. Ils ont à peu près le même état de conservation. Ils sont, en bon état, très bon état même, on peut dire. Ouais, ouais. Ça tape un peu plus fort. Ça doit être une impression. Il n'y a pas de raison pour que tape plus fort. C'est la même. Hein. J'ai regardé, la feuillure est la même. Non, c'est assez dur aussi. On revient, ça me pèse. Il n'y a pas une grosse différence finalement. Non, il n'y a pas de différence en réalité. À sec, je trouvais qu'il y avait une petite différence. Mais en réalité, non, ils ont exactement le même départ. Donc, pareil.
Avec l'ongle, on attrape la gorge d'extraction. Voilà, et ça sort tout seul. Mmh. Voilà. Mmh. Allons-y. On reparlera de ce chambrage là des cartouches, parce qu'il y a un barillet très serré quand même sur ces revolvers. Hein, des chambres très serrées. Ben on est pareil que tout à l'heure. Alors là, t'as tiré sur la... Oh oui, c'est à peu près la même chose. Donc, hein. Vous voyez, je commençais à m'habituer un peu à l'arme à son départ. Je viens de faire 4, 10 et 1, 9. Ouais. Donc toujours à une distance, on était à tout petit peu plus de 17 mètres. Une arme de combat qui vous permet... Même arme, même munition même quasiment résultat, on peut dire. Même groupement, vous voyez, on arrive à des groupements. Franchement, ce que je disais à Michel, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais beaucoup de mal vraiment à faire mieux avec une arme moderne, avec des instruments de visée moderne. On est vraiment sur une configuration, comme vous pouvez le constater, de cran fraisé dans le bâti, avec cette demi-lune. Mais quand c'est bien fixé, bien chaussé, c'est vraiment intéressant. Dans son état-là, on n'améliorera pas le tir. Si on veut vraiment l'améliorer, il faut améliorer un petit peu le chaussé de l'arme. Et là, on peut avoir un tir un peu plus concentré. C'est tout. Mais c'est 49 sur 50. Et là... Pour une arme, rappelons-le, de 1917, 48. Adaptée pour tirer la cartouche d'un PA, alors qu'en fait, au départ, elle tirait une cartouche de revolver. C'est quand même une belle prouesse. Et puis en plus, elle était solide, hein, parce qu'elle tire aussi une cartouche qui était destinée à un pistolet mitrailleur, la Thompson en l'occurrence, qui était arrivée après en 45. Et donc, c'est une munition qui était polyvalente, revolver, PA et PM. Voilà. Non, très bon le 45, de toute façon, on vous apprend rien en faisant... En vous faisant voir des tirs comme ça avec le 45 ACP, c'est toujours été vraiment une arme très. Un calibre très précis. Quoi. Dans une bonne arme, les résultats sont là. Donc, très vieux grand-père encore, c'est le frère jumeau de l'autre grand-père. Donc, pareil, bon, ben. Merci tout à Jean. Pour la suite. Oui. Je vais faire un petit test, comme on avait fait un test de précision la dernière fois avec ce revolver en 45 ACP. Je vais tirer des munitions Tselier Bello, 230 grains, chemisées, je vais en tirer 6. Et je vais me mettre un petit peu dans la configuration, on va dire, de l'époque. C'était une arme où il montait un peu à l'assaut des tranchées. Et je pense qu'il devait tirer, il tirait qu'en double action, à mon avis, comme on dit, dans le feu de l'action, et à des distances assez courtes. Donc là, j'ai pris 13 mètres de distance par rapport à la silhouette. Et ce que je vais faire, je vais me mettre comme si je marchais comme ça. Je vais prendre une visée ici et je vais shooter en double action, tout simplement. Donc un tir rapide en double action d'une main, puisqu'en fait, il ne tirait pas à deux mains. Parce qu'à l'époque, on ne les voit pas sur les photos tirer à deux mains. Donc le but, c'est de se dire, voilà, ils tiraient, ils prenaient leur arme, ils tirent à deux mains. Alors, déjà, une petite remarque, vous me connaissez, j'aime bien les grips, j'aime bien les poignées assez importantes, parce que pour moi, j'ai des bonnes mains. Et là, on s'aperçoit que, regardez, la poignée est vachement fine. Mais en réalité, elle est fine, pourquoi? Parce qu'elle est saisie à une main. Et regardez, à une main, comme je l'en sers bien. Comme elle est vraiment bien enserrée, et j'ai vraiment pas de poids, j'ai vraiment pas de problème avec le poids de l'arme, parce que c'est basé ici au centre de l'arme, donc ça tombe parfaitement dans ma main, quoi. Et là, je suis vraiment, j'ai un bon grip sur l'arme, malgré que la poignée soit petite. Voilà. C'était à souligner parce que on parle toujours du grip. Et on se disait, tiens, pourquoi... Parce qu'il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque où tu tirais une main, quoi. Voilà, pourquoi une poignée si petite alors que l'arme est quand même massive, on va dire. Mais on s'aperçoit que non, c'est intéressant. Donc voilà, on va tirer 6 fois dans la cible, comme ça, comme si on était pris un peu au dépourvu face à un adversaire qui vous fonce dessus, on va dire, dans la tranchée, quoi. C'est là, en train de parler. Faut la tenir, hein, l'arme, hein. Ça cogne bien. Hein. Voilà, 6 cartouches de tirer. C'est vraiment, non, c'est intéressant. Et ça tombe bien dans la main. La double action n'est pas désagréable. Bon, faut appuyer, hein, c'est normal. C'est pas une double action. C'est vraiment, c'est une arme qui à la base était faite pour le combat. On le voit bien, vous voyez, c'est... Là, ça, on voit bien que de toute façon, le chien, quand il repart l'abattu, on n'a pas de loupé de percussion. Hein. C'est du solide, mais c'est intéressant. On va aller voir ce que ça donne. Je me suis bien calé sur 4. Voilà. Donc ça, c'est les premières.
et après je me cale sur 4 parce que je rechausse l'arme de la même façon. Et en réalité, je pensais avoir un problème au niveau du déchaussage de l'arme. Mais la crosse est tellement bien faite que je ne déchausse pas. Vraiment, ici, le haut de crosse est bien resté entre la pince de mon pouce et de mon index. Et à chaque fois, je dis, boum, j'ai pas eu besoin de me reprendre, comme on pourrait le faire des fois, comme on en voit certains se reprendre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on faisait des poignées de match qui vraiment venaient carrément bloquer la main qui porte l'arme. Quoi. Mmh. Là, non, on arrive vraiment, voyez, on est sur une simple, on arrive, on prend, on fixe, on shoot. Quoi. Et regardez, elle en fixe, on shoot. Et on a une bonne absorption, et on n'a pas besoin de rechausser. C'est vraiment une arme super intéressante, parce que bon, vous voyez, tirer des dons double action. Non, c'est... Mmh, c'est vrai, ça, c'était autres, finalement bien prévu pour, très, son, très bien, pour ouais. son utilisation. Et finalement, cette petite poignée qui nous paraissait quand même quelque part un peu fine, elle remplit parfaitement son office de poignée sur ce revolver, puisque regardez... Quand je tire, on ne déchausse pas. Et j'ai un bon grip, quoi. Elle est très très agréable à tirer même en simple action. Je pense que, vous voyez, même en simple action à bras francs, on arrive à faire des tirs. Je vais m'amuser à faire un tir après en simple action à bras francs. Mmh. Comme ça pour voir. Mais en plus en précision, quoi. Ouais. Non, sympa, voilà. Merci Jean. A plus. Non, mais comme je suis surpris... de sa prise en main, parce que je ne l'avais pas tenu à une main, je n'avais pas tiré avec à une main. Je suis vraiment surpris, et, parce que je l'avais tenu à deux mains. Là, en double action, ce que je vais faire, je vais mettre à 15 mètres, et puis je vais faire une simple action sur l'épaule, pour désigner une zone un peu restreinte, et ça va demander de la précision. C'est surtout pour voir comment je vais pouvoir la tenir en simple action. Voilà, donc je vais tirer à bras francs, face à la cible, hop, distance, voilà, c'est tout. Non, c'est vraiment, elle est agréable, la simple action est très agréable. Allez, la dernière. Un petit peu. La dernière, je l'ai mise un petit peu sur la gauche, c'est de ma faute. Mmh. Je me suis vu, j'ai vu mon guidon partir légèrement sur la gauche. Mmh. Ah bah oui, effectivement, t'es bien groupé. Oh, c'est agréable, très agréable à tirer. La sixième est très légèrement sur la gauche, voilà. Enfin bon, c'est quand même... Ça, ce sont les cinq cartouches que je viens de tirer. Bon, l'arme est quand même assez, elle est assez lourde, hein. On ne va pas non plus en tirer une caisse, c'est quand même assez lourd. Mais c'est beaucoup plus agréable qu'une arme petite moderne. Je repense souvent aux gens qui avaient des 686 en 6 pouces, c'est lourd, ou des 586, hein, que ce soit en version inox ou bronzée, ou des colpitons, les colpitons 6 pouces. Là, non, pas du tout. J'avais jamais tiré comme ça en simple action avec cette arme. On fixe le guidon dans son petit cran. Alors, c'est vrai que les instruments de visée sont très succincts, hein, puisqu'on a un petit cran de mire fraisé dans la cage de barrière, dans le bâti, là. Mmh. Et puis, ces fameux guidons... En demi-lune. Demi-lune, super. Mmh. Et voilà. Et ça, c'est la dernière, parce que je le vois, je prends un peu à gauche et j'envoie quand même. Mais donc, je me suis... voilà, c'est tout. Je suis sorti un petit peu du cadre que je m'étais donné, quoi. Voilà.